Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous ce que j'ai fait en gros cette semaine au potager et ailleurs. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Un petit tour au poulailler qui se trouve sur la terrasse. Je viens d'introduire un coq histoire de remettre un peu d'ordre dans le poulailler car il y a des poules qui commencent à couver sans coq. Et je n'avais que deux poules qui pondaient sur quatre. Donc je me suis dit qu'un coq remettrait un peu d'ordre dans tout ça. Voilà les deux qui font la tête, je ne sais pas pourquoi. Retour au potager, donc ça c'est les plantations du jour, beaucoup de haricots à rame. Et ce qui me reste comme aubergine, parce que de toute façon j'ai pas énormément de place, je n'ai que 50 mètres carrés. À bien travailler cette année, sinon il y a d'autres espaces que je vais commencer à travailler. Ça, c'est le potager comme il est après les plantations. Un plant de courgette qui ne va pas du tout bien, que je vais remplacer par un plant de melon. Un autre aussi qui ne va pas bien. Celle-là, elle est très productive. Un gros plant de tomates. Les tomates tardent à rougir. Ça fait 3 semaines qu'elles sont là comme ça. Un autre plant de courgettes, beaucoup de plants de tomates. Ça, c'est des navets, je ne sais pas qui les a plantés ici, mais bon, tant mieux. Ça, c'est les aubergines, une vingtaine en gros. Je pense que ça suffira. Le paillage, c'est du foin, plus ou moins du foin que j'ai ramassé de la forêt d'à côté. Ça, c'est les haricots à rame. Ça n'a pas très bien marché l'année passée, donc j'espère que ça va fonctionner, j'allais dire, cette année. Deux petits plants de poivrons que j'ai plantés tout jeune. Ça, c'est un carré que je vais travailler tout à l'heure. Bon, concernant les aubergines, petit enseignement par expérience, par ma petite expérience, il faut toujours les planter en hauteur sur but pour éviter le contact avec l'eau et les planter assez tôt. Voilà. Un petit carré de 4-5 mètres carrés que j'avais travaillé la semaine passée, j'ai ajouté un peu de sciure de bois. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Là, c'est le potager après paillage. Bon, j'ai pas tout paillé parce que j'avais pas beaucoup de paille, mais bon, c'est un début avec les températures qui commencent à monter. Il fallait le faire parce que j'ai l'intention en gros d'arroser 2 fois par semaine maximum. Là, c'est les semis que j'ai lancés cette semaine. Un petit hôtel pour les insectes, même si ici ils n'ont pas vraiment besoin. Là, c'est le déjeuner pour les poules. Allez, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye.